Bienvenidos. Bienvenidos a este especial de Viernes de Medios en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Muy especial porque estamos colaborando con el Festival Inédit. Y sinceramente espero, Marisol, que podamos seguir colaborando más el próximo año. Felicitamos a Inédit por traer invitados de categoría, como este año a Jérôme Pellart. Y nosotros simplemente somos la casa, nosotros simplemente ponemos la casa, la fiesta es de ustedes y te dejo entonces con nuestro público y sí dejarlos invitados para que el lunes nuevamente nos juntemos acá a la misma hora porque vamos a tener otro invitado difícilmente más interesante que llegó al esfuerzo. Marisol García, por favor. Gracias. Hola. Les doy la bienvenida a nombre del Festival Inédit Nescafé. Largamos ayer con el festival, van a ser 10 días de actividades. Tenemos alrededor de 80 títulos que ustedes pueden revisar en nuestros folletos, en nuestra web. El festival se extiende hasta el domingo 16. Tenemos muchos documentales, nosotros nos especializamos en cine y documental musical, pero también nos importa bastante lo que se está haciendo en Chile con la realización de documentales. Y por eso la discusión en torno a los temas de industria, de producción, para nosotros es un debate muy importante tenerlo, compartirlo y estimularlo. Y por eso la presencia de Jérôme Pellart desde la dirección ejecutiva del mercado del Festival de Cannes en Francia es una visita importantísima para nosotros, se lo agradecemos. Y la conversación con Constanza Arenas de Cinema Chile va a tener precisamente ese foco. ¿Qué está pasando con el nuevo cine chileno? ¿Cómo ubicar al cine sudamericano en el primer mundo? ¿Cómo posicionar las producciones que lentamente van exportándose de acuerdo a su privilegiada cargo y visión? Los invitamos, por supuesto, a seguir disfrutando el Inédit Nescafé. El día lunes, en esta misma sala y a la misma hora, vamos a estar con Kevin MacDonald, el director de la película Marley, entre otras muchas. Esperemos lo disfruten. Gracias. Y los dejo con Jérôme Pellart, él es director ejecutivo del mercado del Festival de Cannes y Constanza Arena de la dirección de Cinema Chile. Muchas gracias, vamos a comenzar. Primero me gustaría decir que efectivamente la temática va a tocar esos temas, pero en una conversación que tuvimos con Jérôme organizando la charla del día de hoy, también consensuamos que íbamos a dar un pequeño recuento general de qué se trata el Marché du Film, sabiendo que muy posiblemente muchos de ustedes no han ido y que realmente para quien no ha estado ahí, dimensionar el tamaño, la importancia y la relevancia, el impacto que tiene su asistencia, es bien fuerte. Entonces, vamos a comenzar con una serie de preguntas como para ir dando cuenta del espacio, de qué se trata, del festival, y luego Jérôme, con su expertise, nos va a ir guiando un poco en términos de consejos más prácticos para todo aquel que se dedica al audiovisual. Y me adelanto también a aclarar que, por un tema de profesionalismo, voy a hacer las preguntas en francés y espero no equivocarme demasiado. Jérôme, bon, nous sommes dans le cadre d'un festival de documentaires sur la musique. Toi-même, tu es musicien. Tu as aussi une formation équivalente à un MBA. Pourrais-tu nous raconter comment es-tu parvenu à diriger le marché du film? Hola, bienvenido. Y voy a decir algunas palabras en español, pero es un poco limitado para hacer toda la charla, pero primero estoy muy muy contento de estar acá y quiero agradecer el festival Inédit para su invitación y que me gusta mucho y de estar acá con vosotros y por la película de ayer que que estaba muy emocional para mí y quizás porque es a propósito de música y es mi oficio. Je vais parler en français. Ça va, ouais. Alors comment est-ce que je suis arrivé
à travailler dans le cinéma au Festival de Cannes. Je vais essayer de le faire un peu court parce que c'est une longue histoire. Mais j'ai effectivement commencé ma carrière comme musicien classique, oboïste, dans des orchestres. Et puis, j'ai eu l'occasion de commencer à travailler sur de l'édition musicale. En même temps que je faisais du hautbois, j'ai commencé une édition intégrale de l'œuvre de Debussy, puisqu'il y a un moment donné où la musicologie a besoin de revoir les partitions originales, les manuscrits, pour établir quelle est la version définitive d'une œuvre. Et puis, petit à petit, de cette édition de partitions, j'ai commencé à travailler dans une maison de disques qui s'appelle Erato, qui était une maison très très fameuse en France pour la musique classique. Et j'ai commencé à faire des enregistrements, de la direction artistique. Et puis, de plus en plus, je me suis investi dans cette société et j'ai fini par être le directeur financier de la société. C'était un virage de la musique vers la finance. Cette maison de disques avait été rachetée par une grande société de cinéma en France qui s'appelle Gaumont. Ça avait été racheté par Gaumont au moment d'un film opéra très important qui était Don Giovanni de Lozay. Et Gaumont avait produit le film et le disque de Don Giovanni n'avait pas été produit par Gaumont, il avait été produit par CBS. Et ça avait été un très très grand succès, alors que le film qui avait coûté beaucoup d'argent, à la fin n'a pas été rentable. Et Gaumont s'était dit, la prochaine fois qu'on fait un film opéra, c'est pas possible, il faut que le disque, ce soit nous qui le produisions. Et à ce moment-là, Erato était à vendre, et Gaumont s'était dit, eh ben, on va acheter Erato. Et on a effectivement, ensemble, avec Gaumont, fait Carmen, qui a été aussi un grand succès, et le disque aussi a été un grand succès. Et donc, cette association entre Gaumont et Erato a duré plusieurs années. Le président à l'époque de Gaumont puis de Erato était un homme qui a été très important pour moi, qui s'appelait Daniel Toscan du Plantier. Peut-être ce nom parle à certains, je pense à mon ami française de l'ambassade qui sûrement l'a connu. C'était quelqu'un de très important, très généreux, qui a été aussi pendant longtemps le président de Unifrance. Unifrance, c'est un petit peu l'équivalent de Cinéma Chile. Qui assurait la promotion des films français à l'étranger. Les années ont passé, la maison de disques a été rachetée par Warner, par WEA, et à ce moment-là, Toscan du Plantier m'a proposé de continuer à travailler avec lui sur le cinéma, dans sa société de production, qui s'appelait Erato Film. Et c'est comme ça qu'un petit peu par accident, plus que par une passion de vouloir devenir producteur, pendant 6 ans, j'ai fait de la production avec lui, avec des films importants. Le premier auquel j'ai participé, c'était un film de Maurice Pialat, Van Gogh, qui a été au Festival de Cannes. Et puis ensuite, ensemble, on a produit une quinzaine de films. Et on a terminé encore par un film opéra, qui était un film de Frédéric Mitterrand, qui était le tout récent ministre de la Culture en France, qui était l'opéra Madame Butterfly. Mmh. Voilà. Et puis, tout ça, on a produit beaucoup de films, mais malheureusement, beaucoup de films qui n'ont pas marché. Et au bout de quelques années, on a été obligé d'arrêter cette société de production. Et à peu près au même moment, le Festival de Cannes avait fait une analyse qui était que, à cette époque-là, donc on est en 1995, le Festival de Cannes est très connu et sans doute déjà le plus grand festival au monde, mais il y a un marché du film qui existe, mais qui est un petit peu dans le sous-sol du palais, où on trouve à côté de films. Il n'y avait pas encore de films chiliens, mais on trouvait quelques films asiatiques. Il y avait des films porno soft. Il y avait plusieurs stands comme ça. Enfin, c'était pas très reluisant. Et le festival, quand même, à ce moment-là, a pris conscience que c'était important de s'adosser à une vraie activité économique. Ça correspond aussi, avec un petit peu de retard, à une évolution politique en France quand la gauche est arrivée en 1981 au pouvoir. Nous avons eu un ministre de la Culture très important qui s'appelait Jack Lang. Et Jack Lang, dans les années 83-84, a lancé le concept en France de industrie culturelle. Cette idée qu'il ne fallait pas opposer l'art et le commerce. Et donc, c'est ce que le Festival de Cannes, en 1995, c'est ce dont il a pris conscience. Et à ce moment-là, donc, il fallait changer, il fallait trouver un nouveau directeur pour le marché du film.
Et donc, nous avons été un certain nombre de candidats et j'ai été celui qui a été choisi. À l'époque, je n'étais pas sûr que ce soit une très bonne idée. Je pensais que j'étais un peu jeune pour un poste qui me semblait un petit peu pantouflard. Je ne sais pas comment ça se traduit, bonne chance, ça doit exister. Mais bon, j'ai pris ce challenge qui était très excitant, puisque à ce moment-là, le président du Festival de Cannes de l'époque m'avait donné une carte blanche, m'avait dit, voilà, le marché aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe un petit peu en marge du festival. Une grande partie du marché réel existait à Cannes, mais n'était pas organisé. Donc beaucoup de sociétés venaient pour vendre des films, mais chacun s'installait dans un hôtel, un appartement, et tout le monde se débrouillait tout seul. Il n'y avait absolument pas d'organisation et d'identité du marché. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Ça a été une période évidemment très, très excitante et pleine de challenges. Rapidement, je ne vais pas vous faire les 15 années, mais plutôt les tout premiers mois où je suis arrivé le 1er novembre 1995, je connaissais le Festival de Cannes, puisque j'y venais souvent en tant qu'utilisateur avec la société de production que je dirigeais. Et j'ai tout de suite eu un certain nombre d'idées qui me semblaient vraiment importantes et qui étaient les choses dont j'avais souffert, moi, en tant qu'utilisateur de Cannes. C'était principalement tout ce qui touche à l'information. C'est-à-dire que les gens venaient à Cannes, mais ne trouvaient pas d'information et devaient se débrouiller pour trouver l'information. Et donc, en quelques mois, on va dire du 1er novembre au 31 janvier, avec l'équipe qui était déjà là et puis des gens que j'ai fait venir, on a vraiment essayé de trouver des tas d'idées, de services, de concepts, d'outils d'information qu'on a imaginés. Ensuite, on en a fait la promotion. On a imprimé des plaquettes. Je ne crois pas qu'on avait un site internet encore à l'époque, ou peut-être. Enfin, c'était un peu le début. Enfin, en tout cas, on a envoyé des tas d'informations aux gens en disant voilà, cette année, au marché du film, vous allez trouver ça, 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 ça. Et puis, du coup, on était le 1er février. Et là, on s'est dit maintenant, il faut le faire. Parce qu'on a dit qu'on allait le faire, et bien, il faut trouver les moyens de le faire. Et il y avait des choses qui étaient un peu compliquées, comme notamment, j'avais eu l'idée de faire un gros catalogue avec tous les gens qui venaient, la photo des gens, parce que c'est quand même chose compliquée à Cannes de trouver les gens. Et alors, en 1996, puisqu'on était en février 96, l'informatique n'était pas non plus ce qu'elle est aujourd'hui, et d'arriver à faire un catalogue avec 4000 photos qui soient en face du bon nom, c'était un challenge. Et je peux vous dire que la première année, j'ai eu un certain nombre de plaintes de gens qui arrivaient en disant « Non, la femme qui est là, ce n'est pas moi, moi je suis un homme, ou lui, mais non, je ne connais pas cette personne, ou etc. Enfin, » Bon, mais les gens l'ont pris avec beaucoup de sympathie et de soutien. Et je veux dire que ce soutien de l'industrie, enfin, quand on voit, et c'est vrai encore aujourd'hui, quand on essaie de développer des nouvelles propositions, quand on est à l'écoute de vous notamment, des producteurs ou des vendeurs, pour essayer de comprendre comment on peut vous aider, très, très souvent, en général, on est très soutenu. Et c'est très important de sentir qu'il y a de la part de cette industrie, qui n'est pas une industrie immense. Dans le monde, vous êtes quelques milliers, ce n'est pas des millions. De se sentir porté par cette industrie, c'est vrai que ça donne des ailes et la possibilité tous les ans de créer de nouveaux services et de nouvelles activités. Mmh. J'ai été très long. Non, mais ça va. Tu dois me couper. Ça va. Oui, non, ça va, non. Il y a l'équipe de production là, qui est là. Non, ça va. Bon, c'est très intéressant ce que tu signales de l'industrie culturelle. On va reprendre ce thème après, mais maintenant, Jérôme, tu sais bien que la plupart des gens associent Cannes au glamour, le tapis rouge, le coup de flash, le smoking. Mais pourrais-tu nous expliquer la différence entre les marchés et les festivals ? Alors ça aussi, ça va nous emmener un petit peu loin, parce qu'il faut peut-être quand même rappeler un petit peu, à ce moment-là, les fondamentaux de qu'est-ce que c'est que la vie d'un film entre sa production et le moment où on le trouve dans les salles dans le monde. C'est très intéressant. Peut-être de clarifier un petit peu ces notions. Vous en avez des idées. Mais évidemment, vous connaissez tous très bien la phase de création du film, d'un projet, le producteur, le financement, les financements. Il y a de plus en plus, et il y a de plus en plus besoin de sources différentes de financement. Ensuite, se pose la question de comment est-ce que le film va vivre dans le monde. Très naturellement, en tout cas dans beaucoup de pays, j'ai l'impression qu'ici c'est peut-être plus difficile, mais il vit d'abord dans son propre pays. En tout cas, c'est la règle en Europe, par exemple, le producteur va en général s'assurer dès le début
le concours d'un distributeur domestique dans son pays, d'une chaîne de télévision. On a la chance aussi en Europe qu'on ait beaucoup de chaînes de télévision encore qui passent, c'est de moins en moins, mais enfin on a encore beaucoup de chance d'avoir des télévisions qui passent nos films. Ensuite va se poser la question de comment est-ce qu'on fait voyager le film. Pour ça, il y a un maillon très très important dont il me semble que parfois il n'est pas toujours bien compris en Amérique latine, qui est le rôle de l'agent de vente, du sales agent. Alors il y a des tas de façons de l'appeler, on l'appelle exportateur, sales agent, sales company, mais tout ça, ça désigne une société dont l'activité et la seule activité, c'est d'être l'intermédiaire entre un producteur et des distributeurs dans le monde. C'est quelque chose qu'un producteur ne peut pas faire. Et je vois tous les ans à Cannes des producteurs qui ou n'ont pas pensé à trouver un sales agent ou qui n'ont pas pu en trouver parce que c'est compliqué et qui du coup viennent à Cannes en essayant de vendre eux-mêmes le film. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est une très mauvaise idée et en général c'est une catastrophe. Je rappelle ce rôle essentiel du sales agent. Il y en a peu en Amérique latine, ce qui fait que la plupart des films latino-américains sont représentés par des sales agents ou européens ou nord-américains, parfois même coréens. Il y a une société très intéressante qui s'appelle Finecut en Corée, qui notamment a vendu les premiers films de Trapero. Et en discussion peut-être pour représenter son prochain film, pas celui qu'il va faire en Inde, mais le suivant. Et puis, il y en a quelques-unes en Amérique latine. Alors, il y en a qui sont très liées à l'Amérique latine, mais qui ne sont pas domiciliées en Amérique latine, mais qui travaillent beaucoup sur le cinéma chilien, je pense à Figafilm. Et puis, il y en a qui sont vraiment en Amérique latine. Il y en a un petit peu en Argentine, un petit peu au Brésil, au Chili. Je ne pense pas vraiment de société de vente. Il y en a une très importante qui vient, très importante en tout cas, qui est prometteuse au Mexique, qui a été annoncée au début de Ventana Sur il y a quelques jours, qui est un merger, une fusion, pas une fusion, une création commune entre une très grosse société de vente américaine qui s'appelle IM Global, qui est une filiale de Reliance, un très très gros groupe indien, donc ça vient de loin, et puis Canana. Donc la société de production de Gael Garza Bernal et de ses amis. Et donc ces deux entreprises, mexicaines, américaines, ont créé ensemble une société de vente spécialisée sur les films du continent latino-américain, hispanophone ou lusophone, avec le projet de représenter tous les ans une dizaine de films. C'est pas beaucoup, c'est très sélectif, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait de plus en plus en Amérique latine des sociétés de vente, parce qu'au fond, c'est quand même plus naturel que les films latino-américains soient vendus par des entreprises latino-américaines. C'est très intéressant parce que le rôle, donc, selon ce que tu dis, du producteur au marché, ce n'est pas de faire la vente de films, non ? Alors, non, je pense, je vais revenir un petit peu là-dessus. Peut-être de redire un petit peu qu'est-ce que c'est que la vente internationale. C'est vraiment un travail à partir d'un certain nombre de films pour essayer de trouver dans chaque pays des distributeurs. C'est un métier dans lequel il faut une passion de vendre, de se battre, mais il ne faut pas forcément une passion du film qu'on est en train de vendre. Parce qu'on vend des tas de films. Un vendeur international, sur un marché comme Cannes, il a couramment entre, on va dire, 10 et 30 films à vendre. Et il faut qu'il ait la même passion de la vente pour les 30 films qu'il est en train de vendre. On ne lui demande pas d'être fusionnel avec tel ou tel des films. Et c'est des gens, en général, qui aiment beaucoup le cinéma, mais il faut avoir un certain détachement. Et dans la négociation, le détachement est important aussi. Pour apprécier le moment où il va falloir dire « Ok, sur ce prix-là, on est d'accord » ou au contraire « Non, on va continuer à faire monter les enchères en prenant des risques »,
honnêtement, ce n'est pas possible de le faire pour son propre film. De même que c'est très difficile de se vendre soi-même. Enfin, on le sait tous, il n'y a rien de plus difficile que de pitcher soi-même quand on fait un entretien de recrutement ou son propre projet en tant que réalisateur. C'est bien pour ça que le réalisateur, d'ailleurs, a besoin d'un producteur à côté de lui, parce qu'en général, la relation entre le film et la personne est moins forte et moins fusionnel pour le producteur que pour le réalisateur. Donc voilà, il faut, pour des tas de raisons, c'est important qu'il y ait cet écran du sales agent. Et puis le sales agent, il a des réseaux, il a des distributeurs dans le monde avec lesquels il travaille, il sait et il connaît les distributeurs auxquels on peut faire confiance. Dans le choix d'un distributeur, il y a des tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est pas seulement le chèque éventuel que le distributeur va faire. Ce qui est important, c'est que le film soit bien distribué, que le distributeur comprenne quel est le film et comment il faut en parler à la presse, aux exploitants de salles, au public. Tout ça, c'est quelque chose qui est bien au-delà d'une simple négociation d'un montant. Donc, tout ce métier, c'est un métier qui nécessite aussi d'avoir une masse critique. On ne peut pas le faire avec un ou deux films par an, parce que ça coûte très cher, qu'il faut quand même une organisation, un stand, quand on va dans les marchés, on organise des projections. Il y a toute une organisation derrière aussi qui est très importante sur le delivery, la livraison des matériels. C'est une petite parenthèse aussi, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais beaucoup de distributeurs n'aiment pas travailler avec les producteurs parce qu'ils considèrent que le matériel qui va leur être donné par le producteur ne va pas être conforme à ce dont ils ont besoin. Et ça, le vendeur, il sait comment préparer le matériel et compléter ce qui peut manquer dans ce que le producteur va lui donner. Donc, pour toutes ces raisons, encore une fois, j'incite vraiment les producteurs à tout faire pour trouver un sales agent. Et quand un producteur vient à Cannes avec un film qui est terminé, ça arrive tous les ans, il va essayer d'organiser des projections ou avec l'idée de trouver directement des distributeurs, mais avec toutes les difficultés que je viens de raconter, où il se dit peut-être à Cannes, je vais faire une projection et là, je vais trouver un sales agent. C'est difficile parce qu'à Cannes ou dans les grands marchés, les sales agents sont concentrés sur la vente. Et il y a des périodes où ils se concentrent sur l'acquisition et des périodes où ils se concentrent sur la vente. À Cannes, c'est la vente. À Ventanasur, la semaine dernière, c'est l'acquisition. Et pour beaucoup de vendeurs, justement, des événements comme ça, qui sont des événements plus ciblés, avec moins de pression, c'est par excellence le moment où ils vont pouvoir rencontrer des producteurs, voir des films éventuellement, ou voir des films en construction, ou parler de projets. Et à ce moment-là, ils vont faire leur pick-up et acquérir maintenant les films qu'ils vont pouvoir vendre à Berlin ou à Cannes. Et même, Jérôme, pour continuer en précisant les rôles de différents professionnels en face au marché, quel serait ton conseil, par exemple, entre un producteur qui vient au marché avec un film terminé, comme tu signales, et un producteur qui vient avec un projet? Alors, comment profiter du marché? Dans la suite de ce que j'ai dit, en fait, je déconseille plutôt à un producteur de venir avec un film terminé. Par contre, effectivement, de venir avec des projets à Cannes, c'est tout à fait... tout à fait un bon moyen de trouver des partenaires. En fait, je pense que c'est important de venir à Cannes, en tout cas une première fois, sans avoir des espoirs, des expectatives trop élevées. Parce que c'est un marché compliqué, tout le monde est là, et ça prend du temps de comprendre comment naviguer. On a créé un certain nombre de programmes justement pour aider les producteurs, surtout dans leur première fois à Cannes. Je pense en particulier à un programme qui s'appelle Producers... Network. Non, Producers Workshop. D'accord. On en a trop. Producers Workshop, c'est un programme de formation, en fait, les trois premiers jours du festival. Le festival commence le mercredi, donc mercredi, jeudi, vendredi. Et pendant trois jours, on propose aux producteurs des sessions... des conférences, des tables rondes sur les grands enjeux de venir à Cannes. Comment est-ce qu'on présente un projet justement à un sales agent? La façon de le pitcher, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ne pas arriver sur le stand d'un vendeur le premier jour avec son scénario en disant « Mais il faut absolument que je vous voie, c'est le meilleur projet du monde, c'est très important, c'est très urgent, etc. »
Comment construire une stratégie de festival? C'est aussi important, quand on a un projet, assez tôt, de se dire, bon, comment est-ce que je vais, en fonction de mes dates de tournage, comment est-ce que je vais avancer avec les marchés, les festivals, peut-être les marchés de coproduction. Certains d'entre vous connaissent sûrement les marchés de coproduction, que ce soit le BAL à Buenos Aires, le Cinemart à Rotterdam, Guadalajara, enfin tous ces marchés de coproduction, c'est intéressant, mais il ne faut pas non plus le faire n'importe comment, parce qu'il faut choisir le bon moment pour le faire. Par exemple, il y a eu, là, depuis 2-3 ans, il y a de plus en plus de marchés de coproduction, et on s'aperçoit qu'il y a des projets qu'on trouve dans un marché, puis ensuite dans un autre, et puis dans un autre. Ça, c'est très dangereux, parce qu'il y a un moment où ça tue le projet. D'une manière générale, la surexposition est dangereuse. Il faut bien choisir le moment où on va en parler. Il ne faut pas en parler trop tôt, parce qu'un projet qui traîne depuis un an ou deux, les gens ne vont plus s'y intéresser. Il ne faut pas non plus en parler trop tard, parce que, notamment pour des partenaires comme les Sales Agents, ils veulent, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir apporter leur expertise au projet. Et du coup, il faut que le projet ait encore un peu de flexibilité. Par exemple, ça peut être intéressant pour le financement d'un projet d'associer tel ou tel pays. Il faut laisser un peu de place à ça. Si le projet est déjà complètement verrouillé dans ses lieux de tournage, dans son casting, dans ses partenaires locaux, peut-être qu'il n'y aura plus la place pour une idée qui aurait été astucieuse et qui ne touche pas à l'intégrité du projet, bien sûr. Qui aurait permis peut-être de trouver un partenaire dans un autre pays. Peut-être d'ailleurs sur cette notion de l'intégrité du projet, surtout quand, dans ce que je dis, il n'y a aucun moment l'idée qu'il faut faire des films en fonction de contraintes de production. Ça, il y a eu, notamment en Europe, on a eu cette tentation à un moment donné avec ce qu'on a appelé les Europuddings, où on a fait des projets en se disant, bon, ben, on va prendre l'argent des landers allemands, un peu de crédit d'impôt ici, on va peut-être faire deux versions linguistiques en français et en anglais, avec un double tournage, parce qu'il y a des règles, de etc. Aucun de ces films, qui, sur le plan du montage financier, était très séduisant, aucun de ces films n'a fonctionné, puisque, au fond, il n'y avait plus de contenu. Donc, bien sûr que le projet ne doit pas, dans ses fondamentaux, dans son histoire, dans les choix artistiques que vous faites, ne doit pas être impacté par des réflexions de financement. Mais pour autant, il y a quand même de l'ouverture, de l'optimisation de financement ou de production que l'on peut imaginer, et il faut l'imaginer évidemment pas trop tard. Alors, je me suis égaré, c'était pour parler de Cannes. Non, mais ça, c'est bien, c'est bien. Tu as déjà parlé de Producers Workshop, et quels sont les espaces, les autres espaces du marché conçus spécialement pour la création des réseaux, des networking? Ouais. Alors, peut-être plus généralement, pour revenir sur les producteurs à Cannes, il y a énormément de producteurs à Cannes. Au marché, le marché, c'est à peu près 11 500 participants, enfin l'année dernière, 11 500 participants, dont une proportion assez importante de participants d'Amérique latine. Je n'ai plus les chiffres totalement en tête, mais je dirais qu'il doit y avoir à peu près peut-être 500, entre 4 et 500 professionnels de l'industrie d'Amérique latine, donc c'est quand même beaucoup. Dans ces 11 500 participants, il y a énormément de producteurs. Il y a la partie classique du marché, qui sont les vendeurs internationaux et les distributeurs. Ça représente peut-être la moitié, à peu près 5000 personnes. Mais il y a à peu près autant de producteurs, à peu près 5000 producteurs, qui, vraiment du monde entier, qui sont tous là pour faire différents types de contacts. Ou bien on a des producteurs, et ça peut être votre cas, qui n'ont pas forcément un projet en développement, qui sont sur des réflexions autour de projets. Et à ce moment-là, la présence à Cannes peut être très importante pour développer ces réseaux. C'est quelque chose de très fort à Cannes, puisqu'on peut rencontrer des gens tout le temps, à la fois à travers des événements, je vais revenir dessus, qu'on organise, mais aussi sans arrêt, dans les cocktails, les soirées, les fêtes, les déjeuners, dans le village international. Enfin, les événements en se promenant, sans fin. C'est sans fin, et on rencontre, c'est vrai que, voilà, il y a toute une partie de Cannes qu'on peut préparer,
Et puis il y a toute une partie, c'est aussi la magie de Cannes, qui est que on rencontre des tas de gens et sans arrêt, moi j'ai des histoires de producteurs qui me racontent, tiens, par hasard à telle fête j'ai rencontré un tel, et puis on s'est reparlé, et puis 4 ans plus tard il y a un film qui s'est fait entre eux. Ça c'est vrai que c'est tout à fait magique. Alors donc beaucoup de producteurs à Cannes, et puis pour quand même faciliter ces rencontres, des programmes donc. Je vais prendre, en partant du tout début, on a un programme qui est plus dédié au court-métrage, qui s'appelle Short Film Corner, qui concerne des réalisateurs ou des producteurs qui sont vraiment au début de leur carrière, qui ont déjà fait des courts-métrages et qui ont envie de passer au long-métrage. Alors ça, c'est un programme où il y a à peu près 2000 participants, c'est énorme, et puis il y a des tas de rencontres, c'est une ambiance très particulière, court-métrage, avec chacun met ses flyers, ses affiches, il y a une vidéothèque où tout le monde peut voir les courts-métrages des autres. Et une sélection internationale de short films. Oui, alors c'est pas vraiment une sélection, parce que c'est... Oui. Il y a quand même quelques critères, mais ils participent. Il y a tout un tas de tables rondes, et notamment des tables rondes très suivies sur comment passer du court au long. Et ça, c'est évidemment pour beaucoup de producteurs ou de réalisateurs un vrai enjeu. Et donc, on leur explique, on leur donne un certain nombre de clés et des possibilités de rencontrer des professionnels qui ont eu notamment des expériences comparables. Ensuite, donc, le Producers Workshop, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est plus 3 jours de formation, avec un petit peu quand même de coaching, la possibilité pour les participants de rencontrer de façon limitée, parce qu'évidemment, on ne peut pas accompagner chacun, mais on crée des petits groupes d'une dizaine de producteurs avec un coach qui est là pendant quelques heures pour les aider un peu plus sur leurs questions. Ensuite, on a un autre programme qui s'appelle Producers Network. Alors ça, c'est un programme pour des producteurs qui ont déjà plus d'expérience, qui ont déjà vraiment des films longs-métrages sortis en salle commercialement, qui ont déjà une expérience de l'international. Et là, on travaille plus vraiment sur le réseau. Ce sont différents événements, des petits déjeuners, des cocktails, thématiques autour de différents invités. C'est un modèle qu'on a également reproduit à Ventana Sur cette année. Je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous y étaient. C'est une formule qui marche également très, très bien pour donner la possibilité aux producteurs de rencontrer des directeurs de festivals, des sales agents, des financiers. Donc, c'est un moyen rapide à Cannes d'optimiser les rencontres. Et puis, on a d'autres programmes qui concernent également les producteurs, un qui s'appelle Doc Corner, qui est vraiment sur les documentaires, alors sur les documentaires cinéma, mais c'est une des rares plateformes qui existent vraiment dédiées aux documentaires de cinéma. Il y a des tas de festivals de documentaires, évidemment, dont ici, il n'y a pas vraiment d'endroit où ce genre un petit peu particulier, dont les frontières sont un peu floues, du documentaire cinéma, où ces gens-là peuvent se retrouver. On va créer cette année un nouveau lieu qui sera, on cherche encore le nom, mais enfin, qui sera quelque chose comme le Cross-Media Corner, puisque pour beaucoup de producteurs, je l'évoquais tout à l'heure, il y a à la fois une nécessité de diversifier les modes de financement des films, puisqu'on voit qu'un peu partout, peut-être plus en Europe, où on avait des financements publics très importants, les financements sont en train de changer, la télévision achète beaucoup moins, la vidéo est en train de disparaître, l'Internet et le numérique font évoluer beaucoup les modèles de distribution. Et donc, il y a beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que sont ces nouveaux modes de financement et que sont ces nouveaux modes de diffusion. On va essayer dans ce Cross-Media Corner de donner aux producteurs la possibilité d'échanger des expériences qu'ils ont pu avoir, de découvrir les projets d'autres producteurs. C'est encore tout à fait expérimental, évidemment, mais ça nous semble intéressant d'échanger ces informations-là. Une question. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, allez-y. Sont payés, sont payants. Il faut payer pour participer ou pas ? Alors oui, il faut payer pour participer, mais la bonne nouvelle, c'est que le marché du film est le moins cher de tous les marchés. C'est moins cher que Berlin, c'est moins cher que Los Angeles. Cannes
la ville de Cannes n'est pas la destination la meilleure marché qui existe au monde, malheureusement. Mais non, je peux vous dire les prix, l'inscription au marché, si on le fait assez tôt, ou au Producers Network, c'est un tout petit peu plus cher, mais c'est aux environs de 300 euros. Ça peut même être un petit peu moins, je crois. Voilà, donc c'est ça pas. Ça dépend de l'accréditation. C'est pas très cher. Oui. Bon, on parle de nouvelles technologies et pour promouvoir la création des réseaux d'une part et les échanges commerciaux d'une autre. Pourrais-tu nous préciser un petit peu comment Cinando marche? Alors, Cinando, c'est le dernier élément de ce qu'on propose pour un peu toute l'industrie et les producteurs. Cinando, c'est à la fois une grande base de données qui est vraiment pour l'industrie. Donc, ce n'est pas IMDb, on n'y trouve pas toute l'histoire du cinéma et tous les réalisateurs. Ce sont vraiment les projets et les films qui sont en cours de commercialisation, de développement ou de vente. Donc, on va dire qu'un projet, normalement, reste peut-être 4 ans ou 5 ans dans Cinando, entre le moment où il est vraiment en développement et le moment où les ventes sont à peu près terminées sur le film. Donc, c'est une base de données où on trouve des tas de films et de projets. Il doit y avoir actuellement, je crois, à peu près 20 000 titres. On y trouve beaucoup de professionnels, tous les vendeurs, tous les distributeurs, toutes les institutions et beaucoup de producteurs. Je ne peux pas dire tous les producteurs parce qu'il y en a tellement quand même dans le monde que c'est difficile, mais enfin, en tout cas, on en trouve beaucoup. Et pour chacune de ces entreprises, on a beaucoup d'éléments d'information. En général, un profil, la société explique par elle-même ce qu'elle fait, ce qu'elle cherche, vers quoi elle va. Et elle indique, puisqu'en général, tout ça tourne autour de films, quels sont les films qu'elle a produits ou qu'elle a achetés ou qu'elle vend ou qu'elle va produire. Et donc, à travers cette description de tous les films à laquelle la société est attachée, ça permet d'avoir vraiment à chaque fois une vision extrêmement précise de ce que fait cette entité. Et ça, c'est très très important pour préparer les marchés. Que ce soit un vendeur, un distributeur ou un producteur, on ne va pas dans un marché, et surtout un marché comme Cannes, en se disant « bon, j'y vais, et puis là-bas, je vais rencontrer des gens ». Il y a vraiment un travail à faire à l'avance, et le meilleur moyen, et on a besoin pour faire ce travail, c'est d'avoir un outil comme Cinando, où on va pouvoir regarder la liste des gens qui vont participer, et puis, par rapport à son propre projet ou ses propres besoins, faire des filtres en disant « bon, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui vendent du film latino-américain, par exemple ». Donc déjà, on peut faire des requêtes en regardant qui a des films latino-américains. Ensuite, on peut regarder chaque société en disant « bon, quel genre de... Est-ce que c'est des gros budgets qu'ils vendent ou est-ce que c'est des petits budgets? Est-ce que les films qu'ils vendent, ça ressemble un peu aux films que je fais et du coup, c'est peut-être quelqu'un qu'il faut que je contacte ?» Mais ça, il faut absolument faire ce travail, à la fois parce qu'à Cannes, on ne peut pas imaginer, voir pendant les 12 jours de Cannes, on ne peut pas rencontrer 1000 personnes. On peut rencontrer, peut-être, on peut, si on arrive à faire 100 ou 150 rendez-vous, c'est déjà monstrueux. Donc, on est obligé de filtrer beaucoup. Et puis, c'est très important aussi, dans un rendez-vous, d'arriver au rendez-vous en sachant très bien qui on va rencontrer et que la personne le sente. Il n'y a rien de plus désagréable pour un vendeur qu'il y a quelqu'un qui arrive, un producteur, qui commence par lui dire « Bon, alors, qu'est-ce que vous faites? Ah, et vous êtes basé là? Ah, et alors, vous vendez quoi? Ah, vous avez un film en compétition? Ben, bravo !» Enfin, bon, évidemment que tout ça, il faut le savoir en arrivant et que le vendeur est tout de suite conscience qu'il a affaire à quelqu'un qui est organisé, professionnel, et qu'une des premières démarches, c'est de savoir ce que fait l'interlocuteur qu'on a en face de soi. Alors, Cinando, il y a ça, et puis c'est également un outil un peu de réseau. Il y a tout un système d'invitations, de groupes. Alors, on n'est pas tout à fait aussi performant que Facebook, je dois l'avouer. Enfin, il y a un petit peu de ça. On peut y mettre des news. Et puis, il y a tout un système de visionnage aussi qui se développe énormément, qui permet à des vendeurs ou des producteurs de donner la possibilité d'inviter à voir leurs films de façon extrêmement sécurisée. On a aujourd'hui un peu plus de 4000 films en ligne, des longs-métrages entiers. Là, tous les films de Ventana Sur, par exemple, sont maintenant en ligne, mais de façon très contrôlée, doublement sécurisée, parce que ça n'est pas visible par tout le monde. Ce ne sont visibles que ou par invitation, de façon très ciblée, ou sur des groupes de professionnels.
Par exemple, on peut autoriser un film à être vu par tous les sales agents, par exemple. Pour un producteur, ça peut être intéressant. Et puis, c'est également sécurisé par des systèmes de watermark, le nom de la personne est dans l'image, et on utilise des systèmes qui ne permettent pas de copier, d'enregistrer le fichier sur l'ordinateur. Certains d'entre vous utilisent peut-être des services comme Vimeo, qui marche très très bien, qui est très confortable, mais il faut savoir que Vimeo, c'est très facile, il faut avoir le mot de passe, mais quelqu'un qui a le mot de passe peut très facilement copier le fichier sur son ordinateur, et ensuite vous ne pouvez plus contrôler ce qui se passe. Dans notre cas, c'est très difficile, rien n'est impossible évidemment en matière de piraterie, mais c'est beaucoup plus difficile, et comme il y a le nom de la personne à qui vous avez donné le droit de voir le film, qui est engravé dans l'image, du coup, évidemment, c'est quand même un peu un frein à quelqu'un de laisser le film se diffuser avec son nom dedans. Donc, voilà, c'est quand même un service qui est aujourd'hui utilisé par énormément d'entreprises de vente, qui est utilisé par beaucoup de festivals pour leur propre sélection, pour consulter les films, auxquels vous avez accès. Et puisqu'on parlait de prix tout à l'heure, c'est quelque chose qui est à peu près gratuit. Ça n'est pas toujours le cas, et ça ne sera peut-être pas toujours le cas, parce que là, on commence à avoir vraiment beaucoup de films. Mais on peut faire ça grâce, encore une fois, au soutien de la Commission européenne qui soutient ce projet. Bon, passons-nous à une question un petit peu plus abstraite. Nous reprend aussi cette idée d'industrie culturelle, d'industrie créative. Étant donné que le cinéma est en même temps une industrie et un art, comment conçois-tu les rapports entre passion et business, entre la sensibilité et les affaires ? Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Le cinéma, de toute façon, c'est un monde de passion. Je le vois, je crois qu'on l'évoquait l'autre jour. Moi, je suis frappé, je fréquente aussi un petit peu les marchés de télévision, que sont des marchés comme le MIPCOM, par exemple, qui est aussi à Cannes. Et on sent tout de suite que ce sont deux mondes totalement différents. Le monde de la télévision est vraiment un monde de business. Des affaires, ouais. D'ailleurs, les gens sont en cravate, toujours. Il n'y a pas la passion du contenu. Les contenus, d'ailleurs, sont extrêmement hétérogènes en télévision, et la même personne va vendre aussi bien du soap, des séries, de l'unitaire, du documentaire, des jeux. Enfin bon, c'est quelque chose qui est vraiment... C'est la notion de produit. Le cinéma, ce que je vois dans tous les gens que je connais dans ce milieu, ce sont presque toujours des gens qui sont réellement des cinéphiles, qui sont passionnés de cinéma, qui regardent des films, qui aiment les films, qui aiment les réalisateurs et qui ont choisi ce métier à cause de leur passion du cinéma. Pour autant, quand on parle avec un programmateur de festival et surtout avec un distributeur, on s'aperçoit qu'il y a deux choses qui n'ont rien à voir. Leur propre goût, les films qu'ils aiment, et d'un autre côté, les films qu'ils achètent pour leur public et leur compagnie. C'est quelque chose de très fréquent. On sort d'une projection et... ce film était formidable, etc. Ah, tu vas l'acheter ? Ah non, parce que ça va pas, je peux pas. Voilà, pour mon public, ça va pas marcher. Je sais pas quelle télévision va pouvoir me l'acheter. Ça illustre un petit peu cette nécessité, me semble-t-il, justement, entre bien sûr cette passion qui est nécessaire dans la création, c'est indiscutable. Je reviens sur la fusion qu'il y a et la relation fusionnelle pour un réalisateur ou un scénariste avec son œuvre. Et puis, plus on avance dans la chaîne, plus il faut une certaine distance. Je me redis un petit peu, mais le producteur, lui, apporte un petit peu de cette distance au réalisateur. Et ce regard critique qui est nécessaire, n'empêche pas la passion, mais la passion va être pour un producteur plus global. D'ailleurs, souvent, un producteur va produire deux ou trois films en même temps. Un réalisateur qui est sur deux projets en même temps, ça existe, mais c'est quand même un petit peu plus... Enfin, si, ça existe, mais enfin, ils sont à des stades très différents, et en tout cas, il ne sera à fond dans la réalisation que d'un seul film à la fois.
Et puis, plus on va avancer, plus cette distance va s'agrandir chez le vendeur international, je l'ai évoqué, et on va arriver chez le distributeur où on va de nouveau retrouver cette idée de l'instant. Le réalisateur est totalement dans son film, le distributeur aussi assez souvent. En tout cas, les distributeurs qui s'intéressent à du cinéma indépendant comme le vôtre sont en général des distributeurs, alors là je parle des distributeurs dans les différents pays, sont en général des distributeurs qui sortent entre, on va dire, 8 et 15 films par an. 15, c'est déjà beaucoup. La plupart d'entre eux sont aux environs de un film par mois. Ça veut dire que le distributeur, lui, va à nouveau complètement s'investir pendant un mois, c'est plus qu'un mois, parce que ça va être en tuilage. Mais enfin, en tout cas, il y a un mois pendant lequel il ne sera pratiquement que à 100% sur un film, votre film. Et ça, c'est aussi intéressant, parce que ça recrée un petit peu une idée, un petit peu de cette fusion dans laquelle la passion peut s'exercer. Mais c'est vrai que c'est intéressant, j'y réfléchis en parlant avec vous, mais cette polarisation à un moment donné sur un film, on la sent chez le réalisateur, on la sent chez le distributeur, alors que chez le vendeur international, elle n'existe pas parce qu'il vend toujours en même temps, comme je le disais, une vingtaine de films. Voilà, merci. Donc, d'après ta connaissance du marché international, quels sont les principaux acheteurs de films latino-américains et plus précisément de films chiliens? Voilà. Alors, les principaux acheteurs, les régions, les marchés ou même des entreprises? Oui, mais non, des régions, de même régions. Oui, des agents de vente, peut-être, oui. Alors, bon, d'abord, la notion de film chilien, on en parlait aussi un petit peu hier. Mm. Je pense que pour un certain nombre de distributeurs, il n'y a pas forcément une identification aussi fine de cinéma chilien ou de cinéma d'autres pays de la région. Je pense qu'il y a des groupes de pays, peut-être je me trompe, hein, mais les caractéristiques de chaque cinématographie se fondent dans la différence qu'il y a de toute façon entre tel ou tel réalisateur et même parfois tel ou tel film. La filiation des différents films d'un même réalisateur n'est pas toujours évidente. L'idée d'une école de cinéma chilienne ou d'un style chilien ne s'impose pas non plus réellement à l'étranger. Mais je dirais qu'en tout cas, on voit, et on le voit par exemple à Ventana Sur, qu'il y a toute une famille de vendeurs internationaux et de distributeurs qui s'intéressent plus particulièrement au cinéma latino-américain. Alors, bon, on peut en citer un assez grand nombre, donc j'ai déjà évoqué Fine Cut en Corée, puisque c'est quand même assez original qu'une société coréenne où le cinéma latino-américain ne fonctionne pas très bien, en Asie en général, il y a peu de films latino-américains qui se vendent. Il y en a tous les ans quelques-uns, mais enfin, c'est quand même très réduit. Il y a également, et ça c'est assez récent, des sociétés d'Amérique du Nord qui s'intéressent beaucoup aux films latino-américains. Je pense à une société par exemple comme Shoreline qui a vendu là récemment avec beaucoup de succès le film Siete Caras qui fait une très belle carrière dans le monde alors que c'était un petit film, c'est pas un blockbuster. Pourquoi est-ce qu'une entreprise comme Shoreline s'intéresse au cinéma latino-américain? Je vois en tout cas au moins deux raisons. D'abord que les entreprises nord-américaines ont de plus en plus de difficultés avec les films indépendants nord-américains. Le cinéma indépendant américain a beaucoup de mal à vivre dans le monde. Il ne faut pas le mélanger avec les films des studios. Et donc, ils ont besoin de diversifier leur source d'approvisionnement. Et puis, qu'il y a, aux États-Unis en particulier, un marché pour le film en langue espagnole qui se développe beaucoup, avec beaucoup de chaînes de télévision, de labels de vidéos, de sites de VOD qui ont besoin et veulent acheter du film latino-américain.
Donc ça explique aussi cet intérêt des États-Unis. Et puis, alors, bien évidemment, l'Europe, où sont la majorité des sociétés de vente aujourd'hui qui représentent des films latino-américains. En France, on en a un certain nombre, il y en a quelques-unes en Allemagne. Je dirais que la plupart des grandes sociétés de vente indépendantes représentent des films latino-américains. J'ai une exception qui me vient en tête, c'est Fortissimo, par exemple, qui est une très, très belle entreprise, mais qui s'est beaucoup spécialisée sur le film asiatique. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il délaisse, en tout cas pour l'instant, le film latino-américain. Oh, mais c'est vrai que c'est très difficile de trouver une identité particulière d'un cinéma chilien, argentin et tout ça. Mais je crois qu'aussi, je crois qu'on s'entend à ce point aussi, il y a de plus en plus de réalisateurs qui destaquent dans le circuit international. Donc, oui. C'est ça, je crois, qui fait le vent grossir, grandir, sais pas comment dire. Non, mais c'est vrai que pour la plupart du cinéma latino-américain, il y a quelques films qui ont des grands succès commerciaux, El Secreto de sus Ojos, par exemple, qui était quand même un film de festival, qui était à San Sébastien, mais qui aurait peut-être fait sa carrière sans San Sébastien, mais pour la plupart des autres films, ce sont quand même le passage à travers un grand festival qui permet à ces films d'exister. Pablo Larraine, No, est un exemple récent pour le cinéma chilien, qui était à Cannes donc en mai dernier, qui commence à sortir en ce moment un petit peu dans différents pays dans le monde, qui va faire une jolie carrière. C'est-à-dire qu'évidemment, ce ne sont pas des box-office au niveau de Campanella, mais c'est des films qui peuvent trouver une rentabilité internationale, et en tout cas un public international, ça c'est certain. Je ne sais pas, le No en France devrait peut-être faire off-record, peut-être quelque chose comme 150 000 ou 200 000 entrées. C'est très très bien aujourd'hui pour un film latino-américain. J'espère qu'il les fera. Ce qui est terrible, et ça tout le monde s'accorde à le dire, c'est que sur ce genre de film, depuis, on va dire, si on remonte à 5-6 ans en arrière, les chiffres aujourd'hui sont pratiquement divisés par 3. C'est-à-dire qu'un film aujourd'hui comme No aurait dû faire peut-être 400 000 entrées, 500 000 entrées, et là, il va tourner autour de 150 000. Donc, c'est quelque chose qu'on constate pour l'ensemble du cinéma indépendant. C'est vrai aussi pour beaucoup de films français en France. Le nombre total d'entrées en France a plutôt progressé. Cette année va peut-être un tout petit peu diminuer. Mais ça se fait principalement au profit des très gros succès qui engrangent de plus en plus d'entrées. Alors, on peut y voir comme explication... c'est peut-être pas la seule, mais enfin en tout cas la numérisation quasi totale maintenant en France des salles de cinéma donne la possibilité aux exploitants, évidemment la tentation est forte pour eux, à un moment donné quand ils ont un film indépendant qui remplit 30 places et puis qu'à côté ils ont un gros film dont la salle est pleine et ils refusent du monde, et bien évidemment avec le numérique on tourne un interrupteur et puis on dit bah tiens on va enlever ce film qui va faire 30 entrées, puis on va remplir la salle de 150 places, c'est bien meilleur. Alors il existe en France une clause de diversité qui normalement interdit à un cinéma, ça interdit à un cinéma de programmer le même film sur plus de 3 écrans. Enfin c'est déjà énorme, avant au maximum ils avaient un écran, c'était exceptionnel qu'un film en 35 mm sorte sur 2 écrans dans des multiplexes. Ça arrivait parfois mais c'était rare. Mais là, ils peuvent très facilement faire 3, y compris dans des petits multiplexes. Wow. Donc ça veut dire que c'est évidemment une accélération de la vie des films dans les salles. Bon, et pour finaliser cet entretien et pour passer aux questions du public, quelle importance accordes-tu aux agences de promotion des industries nationales, telles comme Cinéma Chili? Penses-tu que au marché du film, penses-tu que le travail de délégation est plus efficace avec le soutien de ce genre d'initiatives
qui gère une image de marque pays. Je pense que c'est essentiel, et j'évoquais le travail d'Unifrance au début. Bah oui. Je pense que c'est essentiel, d'autant plus que la plupart de ces agences travaillent aussi elles-mêmes en réseau, et donc on n'est pas dans l'idée d'une promotion compétitive d'un cinéma contre un autre. C'est vraiment, je crois, la promotion... Oui. De cette idée de la diversité, de la nécessité de maintenir partout dans le monde une cinématographie indépendante, différente. Aussi bien au niveau de la production, et je crois que le rôle des agences aussi est très important pour faciliter, alors dans certains cas les traités de coproduction, mais en tout cas aussi les réseaux de producteurs. Exact. Et les échanges de producteurs pour les coproductions. Mmh. C'est aussi le rôle des agences d'assurer dans les festivals la présence des films, de soutenir les processus de sélection quand c'est possible, de soutenir la présence des équipes et des délégations. Et je vois à Cannes, en tout cas, la présence très importante, je l'évoquais tout à l'heure, pas loin de 500 professionnels d'Amérique latine, par exemple, je pense que c'est quelque chose de très important dans l'évolution de la perception par le reste du monde du cinéma latino-américain. On peut mettre un petit peu en corrélation dans l'exemple argentin, je ne sais pas si on peut le mesurer aussi au Chili, mais en fait depuis 4 ans, alors il y a eu l'impact de Ventana Sur qui sûrement a joué un rôle, il y a eu la présence argentine et d'Amérique latine en croissance importante à Cannes, une croissance aussi du nombre des films et en même temps une croissance très importante des exportations argentines de films sur cette période-là. Et je pense que ça se mesure dans beaucoup de pays. En tout cas, on le voit au Chili, on le voit en Colombie, en Uruguay. L'arrivée de ces agences, qui est quand même assez récente, ici, ça fait combien de temps ? 3 ans. Ah oui, alors c'est même très très récent. En Colombie, ça doit en faire 4 ou 5, parce que c'est aussi assez récent. On a vu depuis l'arrivée de ces organisations, de ces organismes, une explosion du nombre de films dont on a connaissance. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y avait beaucoup de films avant qui étaient produits, mais le monde ne le savait pas. Maintenant, le monde le sait. Ça ne veut pas dire que le monde achète tous les films, mais en tout cas, il y a une circulation. Aujourd'hui, tout distributeur peut voir entre les différents marchés, les différents festivals, Cinando, il peut voir les films chiliens, par exemple, et s'y intéresser et les acheter s'il a un coup de cœur ou le sentiment que c'est un film qui peut marcher dans son pays. Donc oui, bien sûr que ces agences sont essentielles et également, pour beaucoup de pays, il y a la présence à Cannes dans un pavillon. Je n'ai pas parlé de cette partie aussi qui est très importante du village international, où justement pour les producteurs, c'est vraiment la possibilité très facilement, quand ils s'intéressent, quand ils ont un projet qui implique tel ou tel pays, eh bien, de rencontrer les organisations du pays, les producteurs du pays, les commissions du film, les festivals. Enfin, il y a une grande facilitation grâce à ces pavillons. Encore une fois, Cannes, c'est formidable parce que tout le monde est là, mais tout le monde est là, c'est en même temps très compliqué parce que comment on fait pour les trouver ? Et que j'aurais dû parler aussi du village, c'est aussi un moyen facilement de rencontrer toutes les délégations d'un pays à travers ce pavillon. Oui. Une autre question. Tu as déjà parlé et mentionné plusieurs des fois Ventana Sur. Peut-être tu peux préciser un petit peu pour que tout le monde le sache. Qu'est-ce que c'est Ventana Sur? Alors Ventana Sur, c'est un marché qu'on a créé il y a 4 ans avec l'INCA, qui est le centre du cinéma argentin, qui est un marché spécialisé pour l'exportation des films latino-américains. Voilà. C'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Les gens, les distributeurs, les sales agents voyagent énormément. Il y a énormément de marchés. Ils ont le sentiment maintenant qu'il y a trop de marchés. Et de créer des marchés spécialisés est une bonne réponse à cette volonté des distributeurs d'arrêter de voyager autant.
Et aujourd'hui, on voit totalement, évidemment, la nécessité de grands marchés internationaux comme Cannes, comme Berlin, Toronto également, dans une moindre mesure pour le cinéma latino-américain, l'AFM, l'American Film Market. Mais ça, ça fait 3 ou 4 grands événements dans l'année, plus 1 ou 2 en Asie. Mais à côté de ça, cette idée d'avoir des événements strictement focalisés sur une cinématographie fonctionne très bien. Un des premiers a été d'ailleurs fait en France, par Unifrance encore, les rendez-vous européens au mois de janvier, où sont montrés, je crois, 40 de films français, où ils font venir un certain nombre de distributeurs, et 3 semaines avant Berlin, c'est extrêmement efficace. Alors la même chose existe en Espagne avec les Madrid Screenings, à Londres avec les London Screenings, en Allemagne. Et ça n'existait pas vraiment sur l'Amérique latine. Il y avait des marchés, Guadalajara fait des choses très bien, mais ce n'était pas totalement réservé aux films latino-américains. Donc là, c'est la première fois que ça se faisait, et ça a très très bien fonctionné. Donc on présente en 4 jours, dans une vidéothèque, la quasi-totalité de la production de l'année, donc plus de 400 films. On fait venir, on invite, et puis des gens viennent aussi par eux-mêmes, mais on avait une délégation hors Amérique latine de plus de 400 personnes. Et en Amérique latine, dehors de l'Argentine, il y avait presque 600 participants des différents pays, donc beaucoup de... Alors Chili, bien sûr, mais beaucoup de Brésil, beaucoup d'Uruguay qui est très proche, Colombie, Mexique aussi. C'est vrai qu'en 4 jours, ça permet une concentration et en même temps une qualité de rencontre sans la pression que l'on a habituellement à Cannes, où à Cannes, les rendez-vous s'enchaînent très très vite et les distributeurs n'ont pas le temps de s'arrêter, de parler un peu, de rencontrer un producteur, de prendre le temps sans une pression trop forte. Ce qui a fait le succès en 4 ans de Ventana Sur. Bon, merci beaucoup, Jérôme. On passons à las preguntas del público. Si alguien quiere hacer alguna pregunta extra a Jérôme. Acá. Bonjour. En français? Como quiera. Je voulais savoir, bonjour. Et à votre avis, quels sont actuellement les facteurs qui ont aidé la France à créer une industrie de cinéma d'auteur, cinéma d'art, ou cinéma indépendant si fort? Ça remonte à très longtemps, en fait. C'est vraiment... Il faut remonter pratiquement au plan Marshall après la guerre. Et c'est le moment où s'est mis en place tout un mécanisme qui était en même temps aussi un mécanisme un peu de protection à l'époque, mais qui n'était pas vécu comme il serait vécu aujourd'hui, qui a permis toute la constitution des mécanismes du centre du cinéma, du fonds de soutien. Et c'est une très longue évolution qui ne serait plus de toute façon reproductible aujourd'hui. Le monde n'est plus le même, la pression commerciale n'est plus la même. Aujourd'hui, on voit bien que des pays qui ont essayé de faire ça plus récemment, comme la Corée par exemple, n'ont pas réussi à maintenir complètement leur système sous la pression des Américains. Et dans les derniers rounds de négociations de l'OMC, ils ont dû abandonner les quotas qu'ils avaient mis en place, enfin, en tout cas, les réduire considérablement, les quotas qu'ils avaient mis en place sur les obligations dans les salles de cinéma. Donc, voilà, le modèle français est intéressant, mais je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de passer trop de temps à le décrire. Alors après, il y a eu, en plus évidemment de tout l'environnement réglementaire, il y a eu aussi toute une école de cinéma française, qui a permis toutes ces générations successives de réalisateurs, d'écoles, de nouvelles vagues. Mais évidemment, est-ce que la nouvelle vague aurait pu exister sans ce qu'il y avait autour, la cinémathèque, le centre du cinéma, etc. Difficile à dire, peut-être pas. Merci. Más preguntas? Alguien? Ahí. Excusez-moi, moi je voudrais savoir
tout le monde parle français. Incroyable. Si, comment est-ce que vous avez appelé la base de données? Sinando. Sinando? Oui. Ça correspond à quelque chose? Non. Ça nous semblait, à l'époque, je ne parlais pas du tout espagnol, et ça me semblait un peu hispanophone, mais ce n'est pas du tout. Non, mais c'est, non, c'est des recherches. Non, mais c'est sans intérêt. Mais vous savez, quand on cherche des noms pour des marques, c'est toujours très compliqué. Une deuxième question, c'est possible? Oui. Comment est-ce que vous avez fait en France, c'est un peu long, je sais, mais si vous pouvez quand même résumer un petit peu, pour protéger votre cinéma dans les circuits de distribution? Parce que nous avons un problème grave ici pour la distribution de films chiliens dans les salles. Bah, c'est une bonne question parce qu'il n'est pas tellement protégé. C'est un petit peu ce que j'expliquais maintenant avec le numérique en particulier. Il est un petit peu protégé par de la réglementation, cette fameuse clause de diversité, mais qui n'est pas d'une efficacité totale. On a la chance en France encore d'avoir un réseau de salles d'arrêt-essai qui est assez actif, mais qui est vieillissant. Quand je dis vieillissant, ce sont à la fois les salles, les patrons des salles et le public des salles. Et ça, évidemment, c'est un petit peu inquiétant pour l'évolution à 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, relativement peu de jeunes en particulier s'intéressent à reprendre des salles de cinéma. Donc, c'est pas très encourageant. Ces réseaux d'arrêt-essai sont soutenus financièrement. Ça, c'est vrai que c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une économie quelque chose qui permette à ces exploitants de justifier qu'ils vont donner la priorité à des films qui ne vont pas marcher aussi bien que des films auxquels ils pourraient avoir accès. Et puis je crois qu'il y a aussi une tradition en France qui permet encore... tradition, passion, on revient à l'idée de la passion. C'est vrai que souvent, les gens qui animent ces cinémas d'arrêt-essai sont des gens extrêmement passionnés et qu'ils font... Ils font sans doute un sacrifice, quelque part, par passion. Mais malheureusement, ce sens du sacrifice par passion, je pense que c'est quelque chose qui diminue de jour en jour. Et encore une fois, peut-être c'est quelque chose qu'on trouve plus dans des gens assez âgés et qu'on trouve moins chez des jeunes, même si la passion existe chez les jeunes. Mais la manière, en tout cas en France, dont les jeunes orientent leur carrière, on voit qu'ils... La culture ou l'environnement peut-être l'action sociale sont des choses qui vont mettre assez haut dans leurs priorités, mais la notion de qualité de vie aussi est quelque chose en France qui est devenu très important. Je ne sais pas si c'est l'impact des 35 heures ou à un moment donné une réaction de la jeunesse qui dit bon, on ne va pas travailler comme des fous, comme nos parents. Mais donc le résultat, c'est que être exploitant de salle, ce n'est pas un travail qu'on peut faire à 35 heures par semaine. Mmh. Et qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se voient pas, qui ne peuvent pas se projeter, même s'ils ont une passion du cinéma, dans ce genre de métier. Perdón, pero esa pregunta me permite a mí también dar la noticia de que en Cinema Chile vamos a comenzar el trabajo de distribución de cine chileno en Chile, vale decir, distribución nacional, de nuestra cinematografía y es efectivamente un trabajo que hacemos con mucha pasión porque en el último tiempo se ha constatado desde distintos focos, tanto desde instituciones públicas como del sector privado, que efectivamente hacía falta ya profesionalizar también la última etapa de la cadena, que es la circulación de las películas. Habían habido políticas muy eficientes en términos de incentivo a la producción, al desarrollo. Ya hemos conseguido un volumen de estrenos anuales importante, 25 películas, 26 películas se estrenan anualmente en salas comerciales en Chile. Y ahora ya el trabajo efectivamente es lograr que las películas se estrenen
de mejor manera, que podamos garantizarle un espacio mínimo de 3 semanas en salas, y en ese sentido es que estamos trabajando y desarrollando alianzas que, con los exhibidores mismos, entre los cuales nosotros constatamos ya una muy buena disposición, una gran creatividad para proponer las formas en las cuales las audiencias puedan encontrar al cine chileno y viceversa. Por lo tanto, el año 2013 veremos cómo podemos hacer girar, mutar una línea de desarrollo del cine chileno que en esa etapa al menos estaba yendo a la baja. Así que los invito a estar muy atentos porque para nosotros efectivamente es un desafío que nos llena de pasión. Sí. Francés, español. Como quieras, sí. No, solamente decir una palabrita, justamente gracias a mi posibilidad de conocer dos realidades, la francesa y la chilena, de la importancia en Francia de la formación de público. Absolutamente. Yo creo que el gran plus que tiene Francia en ese sentido es que al niño desde la más tierna edad, desde el colegio, se le acostumbra a ver cine. Y eso es algo que en Chile va a tener que en un momento dado poder instalar con fuerza para que realmente los públicos varíen en ese sentido. Tenemos planes concretos en ese sentido, evidentemente cuando la película lo permita, y esta es una idea compartida con algunos de los exhibidores con los que hemos conversado, y es utilizar los horarios diurnos de las salas comerciales como para ofrecer funciones gratuitas para los colegios. Y eso es un trabajo que nosotros desde Cinema Chile debemos realizar en asociación con las salas, pero también con el Ministerio de Educación, o bien con las municipalidades. O sea, pero está esa iniciativa ya planteada y es efectivamente parte del desafío del 2013. Pero está absolutamente compartido que la formación de audiencias comienza en las escuelas y acercando el cine chileno como un patrimonio común. Son los futuros consumidores de cine también, si uno quiere mirarlo económicamente, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se ha hablado mucho del tema de la distribución de la formación. Bueno, también hablaste del plan Marshall con respecto a la reactivación de la economía europea por parte de Norteamérica y que ayudó justamente a la formación de audiencias y que hace que Francia sea un país muy culto y que vea no solamente su cine, sino que es cine del mundo. Mi consulta es con respecto a que en general, en el día de hoy, digamos, la distribución, sobre todo en países como el nuestro, de películas contemporáneas de acceso más difícil, no las hacen las salas de cine ni los distribuidores, sino que las hacen los festivales de cine. Que se ha logrado sí instalar a nivel latinoamericano que las mejores películas del año sí se están exhibiendo, pero en un periodo muy acotado, que es un festival 5, 6, 7, 8 días, digamos. Entonces, mi pregunta es si tanto el mercado con otras asociaciones europeas tienen pensado, por ejemplo, o con las instancias correspondientes, repetir una experiencia como la Semana del Cine Europeo que se hace en Ventana Sur, en Argentina, que permite también una formación de público con las mejores películas del año para públicos más locales. La pregunta estará... C'est y a plusieurs pistes. Y a ce que font d'ailleurs un certain nombre de centres culturels français, d'organiser ou italiens ou allemands, etc. D'organiser des semaines de cinéma national, ça existe. Il y a les festivals, il y a des festivals en ligne maintenant. Unifrance fait un festival en ligne où il y a un certain nombre de films français qui sortent pendant 15 jours, je crois. Il y a un certain nombre d'initiatives comme ça. Mais je pense que évidemment, il faut en parallèle essayer de travailler avec les distributeurs et les salles, pour que les films chiliens, enfin les films nationaux ou les films étrangers, trouvent aussi leur place dans le réseau commercial. Parce que finalement, toutes ces semaines de cinéma, de rétrospective, ça crée un petit peu un ghetto. C'est très bien, il faut le faire, mais je pense que c'est important aussi
que dans les salles de cinéma, on essaye de faire exister des films différents, des gros blockbusters américains. Mais il y a des circuits que ça n'intéresse pas du tout. Il y a, Constanza l'évoquait, il y a ici, je crois, quand même des réseaux qui ont l'air ouverts à une discussion et à réfléchir à comment donner une petite part des écrans pour un cinéma différent. Il faut les deux, je crois que c'est vraiment important. Y desde mi punto de vista, creo que el desafío en esta primera instancia es de lograr en un trabajo conjunto de muchas partes construir una oferta permanente, más que generar estas iniciativas, porque nosotros ya tenemos muy buenos festivales en Chile, festivales internacionales como el de Valdivia, por ejemplo. Por lo tanto, hoy día el desafío es otro, ¿no? Que el público masivo pueda encontrar en el mall, en los centros comerciales, no solo de Santiago, sino también de regiones, una oferta constante y coherente, si no es exclusivamente de cine chileno, bueno, una sala donde sepa que uno va a encontrar ahí una oferta coherente, vale decir, o cine chileno y en espacios en donde no haya una película chilena, tal vez una película europea o de otro código que haga sintonía con un mismo público. Ese sería como el desafío 2013. Hola, yo quería hacer una pregunta con respecto al mercado y cómo ha afectado la crisis en Europa. Aquí en Chile la verdad que todavía no, a mi punto de vista no ha llegado mucho, menos mal. Y quería saber si ha cambiado un poco el mercado allá, las técnicas de venta, de distribución y sobre todo, bueno, me imagino que también ha cambiado mucho con respecto, se habla mucho del cine iberoamericano y sabemos que España no está en su mejor momento. Que era un poco la puerta de entrada al cine latinoamericano. ¿Es que se han abierto otros canales de distribución? ¿Por dónde hay que atacar para hacer venta? Son varias preguntas, pero una pregunta. No, muy buena pregunta. Oui. Y a efectivamente deux grandes questions. La crise, c'est difficile de savoir réellement l'impact de la crise économique. Sur le cinéma. Le cinéma a traversé sa propre crise il y a un petit peu plus longtemps. En fait, plutôt dans les années 2008, où il y a eu vraiment ce choc à un moment donné, combiné de la baisse des achats de la télévision, de la piraterie, du passage au numérique, de la baisse de la vidéo, du démarrage de la VOD. Et donc, il y a à peu près 6 ans, il y a eu une grosse rupture à un moment donné où, d'un seul coup, le marché n'était plus sur les mêmes standards qu'auparavant. Le modèle changeait, ça a été très brutal, et à ce moment-là, ça a été une crise importante pour beaucoup de sociétés qui avaient produit des films, on va dire, sur l'ancienne économie, et qui se trouvaient avec des films qui venaient de terminer, qui étaient sur un marché qui avait pratiquement baissé de 30% en quelques mois. Ça a été vraiment aussi violent que ça. Et on est resté sur, maintenant, ce modèle où, en gros, les prix, alors c'est une moyenne, ça dépend des pays et des régions, mais où les prix ont largement baissé de 30%. Mais entre-temps, les producteurs ont essayé de faire des films moins chers, enfin, il y a eu cette évolution. On n'a pas l'impression que la crise ait tellement changé cette situation-là. Ce qui change beaucoup, c'est que l'accès aux salles est très difficile. Quand même, dans beaucoup de pays, le nombre d'entrées reste à peu près stable, donc il n'y a pas eu un écroulement des recettes du box-office, mais l'accès aux salles est beaucoup plus difficile. Et du coup, l'argent disponible pour le cinéma indépendant a diminué. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que les entreprises, notamment les entreprises de production et de distribution en Europe, sont de plus en plus fragiles. Elles n'ont plus beaucoup de fonds propres. Elles sont dans des situations précaires. On voit les sociétés essayer de diversifier leurs activités, ou bien pour certaines, en des sociétés de distribution par exemple, qui vont se mettre à faire plus de production ou se mettre à faire des ventes internationales. Donc une diversification des activités pour essayer de survivre.
Voilà, donc on est dans cette situation aujourd'hui dont il est difficile d'imaginer ce qu'elle sera dans quelques années. Le cas de l'Espagne, effectivement, est peut-être plus dramatique aujourd'hui, avec beaucoup de salles de cinéma là qui ont fermé, et donc très certainement en Espagne une baisse de la fréquentation importante, une raréfaction de l'argent disponible pour la production, ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui, le modèle pour un producteur latino-américain d'aller chercher un partenaire en Espagne ne fonctionne plus beaucoup. Il y a encore quelques exemples, enfin ça s'est énormément réduit. Et on a vu l'inverse à Ventana Sur, par exemple, cette année, il y avait plusieurs producteurs espagnols qui venaient à Buenos Aires en espérant trouver de l'argent ici, ou en tout cas des projets dans lesquels ils puissent s'impliquer avec un financement d'Amérique latine plus important. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando, no? La última pregunta, entonces. Peut-être avant la dernière question, peut-être, oui. Je voudrais peut-être dire un tout petit mot, quelque chose qu'on a évoqué l'autre jour, mais qu'il me paraît indispensable aujourd'hui que la distribution indépendante trouve un nouveau modèle. C'est-à-dire qu'on est encore aujourd'hui, dans la plupart des pays, sur un modèle de distribution classique, qui est un film, il sort en France, il sort le mercredi, dans X salles, il y a 5 séances par jour, et puis au bout de quelques jours, de quelques semaines, le film disparaît parce qu'il ne fait pas assez d'entrées pour remplir la salle, et que la pression est trop forte pour ne pas mettre un film qui va remplir la salle. Il y a un certain nombre d'expériences, en France, aux États-Unis, en Europe, d'utiliser toujours la salle, mais plus de façon linéaire. C'est-à-dire d'utiliser au maximum les réseaux sociaux pour convaincre des groupes, des communautés sur Internet d'aller voir des films, récents, à certains moments de la semaine ou des semaines qui viennent. C'est-à-dire, concrètement, sur une liste de films récents qui viennent de sortir ou vont sortir, les gens dans différentes zones géographiques puissent dire, moi, je voudrais voir ce film. Ah, on peut le voir vendredi dans 10 jours. Eh bien, ça m'intéresse. Je m'inscris ou j'achète tout de suite mon billet pour le vendredi dans 10 jours et j'irai le voir à ce moment-là. Ce qui a évidemment plusieurs avantages. D'abord, parce que ça recrée un côté événementiel de la sortie au cinéma. C'est vrai que quand on va au concert ou au théâtre, on réserve sa place à l'avance. Enfin, très généralement, on est avec un groupe d'amis et on le prévoit. Le mode de consommation aujourd'hui du cinéma est plus une décision qui peut être une décision impulsive de dernière minute. Mais de redonner justement un côté événementiel à la sortie au cinéma sur un film que l'on choisit volontairement avec un groupe d'amis ou à travers une communauté est vertueux et a aussi donc cette possibilité de garder le film beaucoup plus longtemps dans les salles. Puisqu'à ce moment-là, l'idée, c'est plus de sortir le film sur quelques salles, mais quelques séances par semaine, et puis sur des durées assez longues. Ça, c'est un modèle qui me semble très intéressant, parce que, en termes de chaîne de valeur, beaucoup moins coûteux qu'une sortie massive avec de la publicité et des frais de sortie importants, et compatible pour les salles de cinéma avec la nécessité qu'ils ont que leurs salles soient assez bien remplies. Je pense que c'est vraiment dans des réflexions de cette nature-là que pourra se maintenir une distribution indépendante dans les salles pour les films que nous aimons. Sí. ¿Cómo logran plantear la cultura del cine en las regiones en Francia y todo eso? Y aquí, ¿cómo quieren ustedes plantear todo este tema? Porque, por ejemplo, aquí para el Inédit la gente está dispuesta a venir, pero yo vivo en Talca y la gente allá no piensa pagar en algo así, o por lo menos el público general, o sea, que vendría estas cosas súper vagos. Entonces, respondemos primero en Francia y o solo en Chile. No, por ejemplo, allá cómo lo hacen, si la gente está dispuesta a ver estas cosas en las regiones más pequeñas.
le festival de, le festival, du cinéma, en France, le dialogue entre Paris et oui. les régions. Non, mais en France, il y a d'abord un réseau de salles extrêmement développé dans l'ensemble de la France. Je parlais des réseaux d'arrêt-essai, par exemple. Ça n'est pas que à Paris, c'est dans la France entière. Alors, bien sûr qu'il y a des endroits reculés où il n'y a pas de salle de cinéma, mais enfin, on n'est jamais en France, je ne sais pas, je dirais qu'on n'est jamais à plus de... Allez, peut-être de 30 km, je ne sais rien, si vous avez d'une salle de cinéma, quelque chose comme ça. Mmh. Les copies circulent relativement vite, alors maintenant encore plus avec le numérique, où vraiment les sorties sont nationales. Il y a beaucoup de festivals en France, dans beaucoup de villes. Je dirais qu'il y a au moins une centaine, peut-être plus, de festivals en France, dans toutes les régions, même, c'est peut-être même plus que ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est un art assez populaire que l'on peut partager partout, et notamment à travers les écoles. Je rejoins ce qui était dit tout à l'heure, où il y a tout un programme de cinéma à l'école, très important, enfin, qui est en train de disparaître. Enfin, c'est quelque chose qui a été très important, où beaucoup d'enfants de beaucoup d'écoles avaient l'occasion d'aller dans des salles de cinéma et dans des vraies salles de cinéma. C'est important aussi, le lieu. C'est pas comme de montrer un film dans une salle de classe. C'est d'aller dans une salle de cinéma avec l'école pour voir des films qui est évidemment en adéquation avec l'éducation. Y en cuanto al trabajo que nos proponemos hacer, parte de nuestra estrategia es darle a región la importancia, la misma importancia que Santiago. ¿De qué manera? Vamos a evitar el estreno simultáneo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el estreno en Santiago y en la medida de lo posible hacer los estrenos en cada región de manera tal de optimizar la circulación de la película y darle a cada uno de los espacios a los cuales estaríamos estrenando la misma relevancia, la misma energía, la misma presencia de parte del equipo de la película en cada uno de los espacios. Además, varias de las películas que nosotros ya tenemos en carpeta para distribución no tienen demasiadas copias, por lo tanto, efectivamente es otra manera de optimizar la circulación de las películas, ¿no? Evitando el estreno simultáneo nacional, sino más bien enfocándose región a región, sala a sala, nuevamente en asociación con los exhibidores que nos permitan abrir espacios, abrir regiones, conquistar territorio finalmente. Y la última pregunta, no más queda, ¿no? La dejamos para el café o afuera en el patio. El señor se quedó ahí con. Se acabó el tiempo, lo sentimos mucho. Organización determina. Pero una pequeña pregunta. Le rôle de la critique du cinéma en France. En France. À l'académie, si c'est lié à l'académie, à les spectateurs, le rôle de vraiment de la critique. De la critique en France. En France. Comme un peu tout l'évolution du journalisme. C'est vrai qu'on voit que l'importance des blogs et des sites internet. Oui, mais d'une manière générale, la critique. Oui. La critique qui permet oui, écrite. Un développement culturel du public, pas oui. seulement l'information. Oui. Je ne sais pas si j'ai compris exactement la question, mais en tout cas, il y a une évolution d'une manière générale de la critique en France à cause de l'explosion des blogs et de la critique spontané sur Internet, qui fait que il me semble que notamment les revues spécialisées de cinéma ont moins d'influence qu'elles ont pu en avoir, en tout cas sur les spectateurs. Alors ça reste effectivement des revues de référence culturelle, mais le public aujourd'hui au cinéma est de plus en plus sur un mode de recommandation des grands sites internet. On a en particulier en France un site qui s'appelle Allociné et qui déclenche une grande partie de l'envie d'aller voir tel ou tel film. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais peut-être on peut en parler après alors. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Jerome, nuevamente. Gracias al público por su atención. Muchas gracias.
Merci. Merci.